Je suis Quentin Mazurier, directeur général de Linked. Linked s'est créé tout début 2017, c'est un peu une start-up qui appartient à un groupe familial qui est le groupe Altitude. Notre mission est d'être l'opérateur B2B alternatif de référence. Nous délivrons des services télécom à nos clients qui sont des entreprises. Donc ce sont des services d'accès Internet, d'interconnexion de sites à haut débit, de téléphonie, qu'elle soit fixe ou mobile, et principalement sur des infrastructures en fibre optique. Alors nous sommes déjà 225 collaborateurs en CDI chez Linked, alors qu'on s'est créé en janvier 2017. Et notre cible par rapport à notre projet de croissance, c'est d'être 350 collaborateurs à cette fin d'année. Donc bien sûr, vous doutez bien que nous avons des objectifs de recruter également des apprentis, puisqu'ils vont nous apporter cette vision neuve du marché, les nouvelles technologies, les nouveaux usages, les nouveaux bénéfices pour nos clients. Nous avons déjà 45 apprentis, nous en cherchons 15 supplémentaires pour septembre 2018 pour la nouvelle rentrée qui s'approche. Ces profils, nous les recherchons sur deux types de métiers, l'ingénierie télécom, que ce soit sur des missions opérationnelles de chef de projet, d'architecte télécom par exemple, et puis deuxième périmètre, la vente, le commerce. Donc nous cherchons des profils qui seraient intéressés par des métiers d'ingénieurs commerciaux ou d'ingénieurs avant-vente. Mais comme je vous le disais bien, ce sont bien des profils que nous cherchons, pas encore forcément du savoir-faire, des compétences, puisqu'on a le temps de les former, de les accompagner. On est structuré pour ça avec nos écoles de formation et puis un management de proximité très expérimenté, très dense. Donc nous cherchons des profils qui cherchent des solutions, qui sont positifs, qui ont envie d'avancer et qui sont fortement inspirés par notre différenciant chez Linked, qui est la qualité de la relation client. Donc des jeunes qui aiment les clients et qui aiment rendre des services. Voilà les profils que nous recherchons pour cette rentrée 2018.